Exactement, voici Champion MCL, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de du programme d'été 2017. Ok, oui. Aujourd'hui, on est entre deux vidéos de Minecraft, plus précisément de la série Comment bien commencer à Minecraft. Et je joue à Besiege. Puis moi, je suis rendu là. Je sais pas si les autres... Il faudrait avoir 4 mondes. Est-ce qu'il y a 4 mondes actuellement? Je ne sais pas parce que je suis encore dans le premier, la première île. Sous île plutôt que monde. Et je suis rendu ici. Moi je suis musicien. Je suis bien content de faire ceci. Voilà. Détruire 80% de ceci. Bon, ça va être facile. À condition de bien viser. Parce que je vais faire un canon. Oui, un canon. Il y a sûrement quelques mises à jour entre temps que j'ai joué. Que depuis que j'ai acheté, il y a sûrement des mises à jour. M'en doute un peu. J'ai goût de lancer ça. Moi. Mais non. Parce que je vais prendre des canons. Par contre, qu'est-ce que je vais faire? Non, je vais le laisser. Vous allez voir qu'est-ce que je vais faire, ce qu'on fait. Je vais mettre l'unité. Parce que vous allez comprendre pourquoi. Vu que je l'enlève. Un pivot. C'est quoi ça? Ah, essentiel quoi. Je suis essentiel. L'essentiel c'est pour ça. Parfait. Ok. Allez, ceci. Pour cette fois, rajouter ceci. Et vous vous demandez sûrement qu'est-ce que je suis en train de faire. Regardez, puis vous allez voir. J'ai fait une sorte d'épouvantail, mais non, ce n'est pas une épouvantail du tout, mais ça me fait penser à ça tout d'un coup. Une chose qui est sûre, c'est sûr que vous tenez. C'est sûr que vous tenez. Pas encore. Faire le truc correct là. Ben juste. Qu'est-ce que vous voulez au moins, c'est juste. Yups, et j'ai oublié de faire une chose, c'est de configurer les canons qui ceci. Bon, ça va être ceci. Enter, je peux tuer. Parfait, il va me utiliser, c'est parfait. Parfait. On va finir le niveau. Ouais, c'est ça, c'est ce que je voulais. Ah, c'est vrai, il y a des moutons. Une chose qui est sûre, vous regardez ça, sans faire de
carnage. Mon dieu. Oh mon dieu. Ouais. Bon, retournons à l'atelier pour faire une petite affaire. Je vais mettre ceci et cela. Ceci que je vais enlever pour mettre... C'est vrai que je peux l'enlever du coup. Ceci. Puis juste pour vous dire, je suis désolé si ça lag. Je suis sûrement désolé. Rouler OBS et BC, ça prend de la rame. Et pas à peu près. Ou pour ceux qui connaissent pas trop l'informatique, de la mémoire vive. Ça prend. Vous vous demandez sûrement qu'est-ce que je suis en train de faire, hein? Je suis sûr que vous êtes en train de vous demander ça. Mais une chose qui est sûre, que vous ne serez pas tout de suite. Essayez de le deviner. Oups, c'est plus bon. C'était vraiment pas le bon. Là, c'est correct. Il faut juste que je fasse ceci. Ok. Peut-être qu'on fait, je vais prendre un. Tout qu'on fait. Voilà. Ensuite, je prends ceci. Prendre des grosses roues. Voilà. Je refais un autre test. Ok, attraction et luxance. Mais quand même. Je fais ça. Wow. Alors, vu que ça ne se détache pas, on va faire une petite affaire assez minutieuse. Voilà, tout simplement. Ça, on l'enlève. Du coup, faut que peut-être que je monte la structure. Mieux que ça, même, mieux que ça. Vous allez voir qu'est-ce que je veux faire. C'est qu'est-ce que je pense. Non, je pense pas que c'est ce que je veux. Ça, c'est une suspension. Ça par contre, c'est ce que je veux. Voilà. Ensuite, je mets ceci. Il touche pas. Et c'est parfait, c'est ce que je veux. Je peux comprendre pour cela. N'est-ce pas? Ok, c'est nice. En plus,
Mon V1 plus. Mon Dieu. Les moutons on répète tout de suite. Je veux vous tuer avant. Je vais détruire ça avant. Afin que ça me sert, quoi. C'est venteux. Ça, je peux pas le faire le contraire. C'est venteux. Ça, j'enlève ça. Ça, je vais le monter. Complètement. Je mets les grosses roues. Oui, les grosses roues. Voilà. Elle est complètement refaite à l'envers. C'est terminé. Bon. C'est bien ça. Cool. Là, on va configurer les affaires. Ceci. Ah, ok, c'était ça. Bon. Version. Ça fonctionne. Parfaitement. Là, il va falloir du poids. Avant tout, ceci, on le recule complet. Ça, c'est pas, c'est même pas assez large. Voilà. C'est-tu pas magnifique? Avec peut-être une scie. Ça me tombe. Ouais. Une belle petite scie. Pour conclure le tout. Dans les armes. Mon Dieu. Ok. Comment j'ai fait ça? Ah, c'est peut-être qu'est-ce que j'ai entendu tout à l'heure. Oups. C'est pas grave. Il y a de la misère à... Il est rendu trop lourd. J'ai fait j'ai oublié une petite affaire. C'est le même contrôle. R et F. Voilà. Il est rendu trop lourd. Il est pas efficace pour ça. Mais par contre, il existe une chose dont je n'ai jamais essayé. Ça. Oh, il y a ça que j'ai jamais essayé, mais il n'y a pas de ça. Efficace. Très efficace. Maintenant, ça, je peux contrôler sans problème.
Du moins, presque sans problème. Ah, ok. C'est beau ça là-dessus, elle sert absolument à rien. Tant que ça, je me dirais mute. Quant à ça. Je vais le mettre en dessous. Qu'est-ce que vous voulez? Je vais le mettre à quelque part. Ben, tu vends ces moutons, ouais. Par contre, une commande du site, la commande du site est en envers. Celle-là est en envers. Je suppose être correct là. N'importe quoi. Ah là c'est mieux. Pas trop de traction. Un petit détail. Le mouton qui essaie de m'attaquer. Vous pouvez m'attaquer si vous voulez. N'arrange pas. Je suis là pour ça. J'ai conçu cette affaire-là juste pour vous. Et voir ma création détruite. Aussi. Au moins, si ça fonctionne. Allez, les moutons! Parfait. J'ai détruit ma machine de même. C'est beau ça, hein? C'est très beau ça. Justement, c'est une bonne façon de détruire une machine. Si facilement. Dans la vraie vie, est-ce que ça aurait été aussi facilement? Ça... ça m'étonnerait. Il a survécu lui. Pas grave, on peut périr sauf peut-être ceux qui sont plus hauts. Voilà, il en reste un. Qui est à côté de ma structure? Toi de là. T'as pas d'affaire à être là. T'as même pas le droit de toucher à ma structure. Bon, on va se... on se stationner là. Gardons ça. Vous voyez ça. On va se mettre comme ceci. Je vois absolument rien qui... Au moins là je vois quelque chose. Et ah, presque. T'as
Attendez un peu. Oups. Voilà. Il n'y a pas de droit de pente par contre. Là, j'ai pogné un bout où que ça vaut même pas la peine de rien faire. Et pourquoi? Parce qu'en même temps, ça va donner un petit contrepoids. Oups. Pour ceci. Et feu! Même pas! Même pas! Au moins la structure a survécu, mais la structure là-bas aussi a survécu. On veut pas que cette structure survive. Notre structure, faut qu'elle survive. Mon affaire, faut qu'elle survive, mais son affaire, faut pas qu'elle survive. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout enlever les gugus. Oups. Juste les gugus de même. De poids. Comme ça, elle tient parfaitement. Voici comment détruire un affaire. Sûrement avec ces câbles qui fuck tout. Voilà. Je suppose le balader maintenant. Bon, c'est vrai que la scie ça aide pas. Mais quand même. Allons tuer, exterminer ces moutons. Allez, petit. Je vais vous tuer tous, je veux pas que vous vous suicidez. Soit en haut, ça me dérange pas que vous vous suicidez, mais soit en bas. Je peux vous toucher, pourquoi vous suicidez alors? Bon, c'est bon. On est tout mort. Maintenant, passons à l'étape suivante. Le stationnement. Comment se stationner dedans? On s'aligne convenablement pour... Oups. Pour que le tout soit bien calibré. Une fois stationné, vous vous alignez pour être sûr et certain à 100%. Vous pesez, vous l'attrapez, ceci, et vous l'emmenez avec vous. Et ensuite, quand vous êtes prête, vous faites attention pour pas trop briser la structure quand vous déployez vos canons. Pour équilibrer le tout, peut-être je fais ça, comme ça, ça évite trop de balloter. Ça fait un contrepoids. On vise. Le centre vise bien cette tour-là. Et... on tire! Wouhou! Une chose qui est sûre, il n'est pas survécu à 100%. C'est un détail. Au moins, il a survécu. Du moins pour cette affaire-là. Hey. Puis là, qu'est-ce qu'on fait après ça? Une fois... la cible détruit. Oh, il est résistant. On détruit le tout. Avec la scie. Et voilà. Attendez un peu. C'est pas terminé.
Et voilà, vous avez tout détruit. Puis plus rien fonctionne. Allez, sors de là, toi. Bon. Vu que ça s'est terminé, ça c'était juste pour s'amuser, tout con. C'était juste pour m'amuser. Qu'on aurait pu bien faire ceci. Même pas assez haut. Et ensuite... Voilà. Bon, il y a juste les canons qui ont pas survécu, mais sinon... Le dos survécu, quand même. On laisse tout aller, et on détruit tout. Même la structure. C'est le temps, là. C'est encore mieux de même. Ben oui, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? On s'assure de bien viser avec notre scie, de viser les, ses pattes et le mouton en passant. On va laisser le mouton faire ça. Voilà. Ensuite, on détruit chacune de ses pattes avec notre scie. Je veux bien briser, bien évidemment. Et celui de cette affaire-là, quand même. C'est mon véhicule qui survit pas. Tout qu'on fait. Bon, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo de besiege. La vidéo entre deux Minecraft plutôt. Entre deux comment bien commencer à Minecraft. Ils vont mourir un jour, c'est un con. Ça va faire 100%. De toute façon. Alors, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo de besiege. J'avais acheté le jeu, puis ça me tentait de jouer avec. Le prochain, dans deux semaines, les deux Minecraft, ça va être City Skyline. Suivi du troisième, parce qu'il y en aura trois jeux autres que du Minecraft. Le troisième, vous aurez la journée même. Et oui, bon, il va remis à jour, probablement. Mais peu importe qu'il y ait mise à jour ou non, de toute façon, c'est terminé. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, pas Google+, parce que je le soutiens plus ou moins. De toute façon, il n'y a pas un choix qui est là, à part de deux abonnés. Et c'est tout. En gros, c'est Facebook, Twitter, et allez sur mon site internet aussi, dont la bannière, le lien est sur la bannière de ma chaîne YouTube Champion MMCL pour avoir l'horaire d'été et encore plus, dont aussi un concours qui est là depuis un certain temps, donc il n'y a pas un fou qui s'inscrit. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.